j'aimerais beaucoup fuir de cette île. Oui, beaucoup. J'espère que quelqu'un va me trouver. Oh, qui pourrait m'aider à sortir de cette île? Je suis la fille des mers et j'ai entendu ta demande. Je peux exaucer 3 de tes vœux. Oh, merci. Si tu pouvais faire ça, ça serait un grand bonheur pour moi. Bien sûr, puisque je l'ai promis. Mais comment est-ce que je vais pouvoir aller sous l'eau? Je ne respire pas comme toi. Je connais quelqu'un qui pourra t'aider. Mon premier vœu est de respirer sous l'eau comme vous, les sirènes. Alors je vais faire venir mon ami. Oui, tu m'as appelé? Oui. Est-ce que tu peux donner le pouvoir de respirer sous l'eau à cette aventurière? Bien sûr. Je vais essayer maintenant. Viens avec nous. Quel est ton deuxième vœu? Ah, mon deuxième vœu est de... De aller chez moi. Et ton troisième vœu? Est de devenir riche. Ah, ce ne sera pas facile, mais nous pouvons essayer de voler le trésor du roi. On y va, allez, on y va. Allons-y. Non, je ne vous laisserai pas passer. Personne n'a droit de passer sans mon autorisation. Vite. Ah, n'aie pas peur. Il ne peut rien nous faire. Il a été maudit et il ne peut pas dépasser la barrière magique. D'accord. Vous ne touchez pas à mon trésor. Non, c'est chez moi ici. Tu n'as rien à dire. Je suis la fille de la mer et j'ai fait une promesse. Mais non. Je dois lui donner ce trésor. Je suis pas content. Vous ne touchez pas à mon trésor. Et on ne touche pas. Tu ne feras rien, mes amis. Bloque-le. Bloque-le pendant qu'on va chercher le trésor. C'est plus bas. Le trésor. Ouais. Prends-le et je te ramènerai chez toi. Allez, on y va. Tu n'es plus bloqué par la malédiction de la petite île. Voilà, tes 3 vœux sont exaucés. Tu es pu rentrer chez toi. Au revoir et merci. Je t'en prie. Essaye de ne plus te retrouver coincé sur des îles. Oui, j'essayerai. À la prochaine. Au revoir.